Femme! Je t'ai bien dit. C'est pas le moment de me faire flipper, s'il te plaît. Bon, allez, viens t'asseoir. Moi, je trouvais clairement ça drôle. T'aurais dû voir ta tête. Non, non, non. Dépêche-toi, mange tes céréales, sinon tu vas être en retard pour le collège. Tu parles comme maman. Certes, mais c'est pour ton bien, frangin. Elle me manque. Moi aussi, elle me manque, Sam. C'est aujourd'hui ton exposé sur l'époque des Lumières? Ouais, c'est cet après-midi. Sympa, hein? Tu vas assurer, t'inquiète. Merci pour ton optimisme. De rien, c'est normal. Non, 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 laisse-la là. Tu vas être en retard, sinon. Bonne journée. Bonne journée à toi, petit frère. Alors, ça a été les cours? Je me suis bagarré avec James Gordon ce matin. Comment ça? C'est lui qui a commencé. Et tu lui as rendu ses coups? Ouais. Parfait, ça. Mais pourquoi il t'a cogné, par contre? Il avait dit que si maman avait mis fin à ses jours, c'est parce qu'elle ne voulait plus de nous. Écoute, ne donne pas d'importance à des cons comme eux, ok? Je sais. Bien. Bon, bref. Ça te dirait d'aller voir un film demain après-midi? Ouais, pourquoi pas. Il y a quoi à l'affiche actuellement? Je crois que c'est un film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Ça fait peur apparemment, donc si ça t'intéresse. Ouais. Bah, let's go. Qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Ok. Reste dans la voiture, Sam. Ils vont me retrouver et me tuer. Vous parlez de qui? Ils vont me tuer. Aidez-moi s'il vous plaît, ils vont me tuer. Aidez-moi s'il vous plaît. Écoutez, je peux pas vous laisser ici comme ça. Venez avec moi. Venez.
comment vous appelez? Jen. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Si je vous raconte tout ça, vous allez pas me croire. Ils m'ont choisi pour me faire souffrir. Ils? Écoutez, vous pouvez pas rester ici. Tôt ou tard, ils nous trouveront et nous tueront. Vous parlez de quoi, là? Ils vont me tuer, et toi, tu seras leur prochaine victime. Wow, ok, vous êtes malade. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Tu comprends pas? Ils en prendront à toi une fois que je serai morte. Regarde, c'est leur planque. Elle se situe dans une usine abandonnée. Mais je sais où c'est cette usine. C'est pas loin d'ici. C'est près de mon ancienne école primaire. Ok. Ok, c'est bon, ça suffit. Sortez de chez moi maintenant. Allez, sortez. Dégage. Dégage. C'est bien ce que je pensais. Vous me croyez folle? Personne ne me croit jamais. Qu'est-ce qui se passe? Sam! Allez, cache-toi, cache-toi. D'abord. On va mourir? Je veux pas qu'il te fasse de mal. Non, t'inquiète. S'il m'arrive quelque chose, tu sais ce que t'as à faire. Suis ton instinct. Ok? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté cette garce? Rien, je vous assure, arrêtez s'il vous plaît. Arrête de mentir, garce! Je mens pas! Je vous assure, s'il vous plaît! Ta gueule! On va la prendre avec nous. On a besoin d'un nouveau cobaye. Non, s'il vous plaît. Allez, on l'embarque. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non! Non, non, je vous en supplie.
Jeanne Steward nous a échappé il y a quelques jours. Vous parlez de qui ? Ne faites pas comme si vous ne saviez rien. Cette garce que vous avez emmenée chez vous. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Peu importe. Disons que nous étions moins organisés auparavant. Cette garce de Jane nous a échappé il y a quelques jours. Vous l'avez retrouvée. Vous l'avez emmenée chez vous. Par la suite, elle vous aura demandé de contacter la police pour révéler notre existence. Heureusement que mes hommes de main sont intervenus à temps. Nous avons localisé Jane grâce à une puce que nous avons implantée derrière son oreille. Quel dommage. Ça tombe sur vous maintenant. De toute façon, ce n'était qu'une victime, comme toutes les autres. Non, non, j'ai rien à voir avec ça. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. Laissez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes témoin de notre existence, ma chère. Vous savez, c'est tellement facile de créer une victime. Je vous assure. L'objectif de notre société secrète est d'évaluer la souffrance de nos victimes de façon méthodique et froide. En tant que dirigeant de cette société, j'ai remarqué que la plupart des jeunes femmes comme vous sont plus sensibles à cette expérience. Vous savez, des choses peuvent nous surprendre parfois. Vous enfermez une personne dans une pièce noire pendant des semaines, sans nourriture, sans rien. Et à la fin de cette expérience, le résultat est incroyable. Parce que les victimes ont survécu à cette souffrance. Ils ont survécu. Vous vous rendez compte ? Maintenant, vous êtes désormais le nouveau sujet de cette expérience. J'ai seulement une chose à vous dire. Bonne chance. Thank you.
Thank you.
Maintenant, il est temps de procéder à l'étape finale. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Putain, c'est pas vrai. Appelle le leader. C'est pas croyable. Notre expérience a abouti. Elle a survécu. Lucie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?